Suntem foarte onorați pentru că Festivalul Național de Teatru practic a pus la cale de acum un an această vizionare. Ne interesează foarte mult ca dumneavoastră, oameni de teatru, dansatori, balerini, public, să vedeți mai multe ipostaze ale aceluiași creator. Anul trecut l-ați cunoscut pe Angelin Jocaș în calitate de coregraf, anul acesta în calitate de regizor și scenarist, împreună cu doamna Valérie Müller, care este aici cu noi. Și pentru că visul merge mai departe, am reușit să facem acest pilon pentru ca și Juliette Binoche să se afle și la această premieră pentru o scurtă întâlnire cu dumneavoastră. Este un salut, îi mulțumim pentru generozitate și doamnei Juliette Binoche, care a venit direct de la aeroport, doamnei Valérie Müller și Angelin trebuie să sosească. Este pur și simplu o întâlnire, dacă vreți să întrebați ceva, să fie o... Și Angelin Prejocaș, mulțumim că ați venit! L'artiste, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui regarde le monde autour de lui. Je veux pas voir une jolie danseuse, moi. Je veux voir Paulina danser. Bonsoir. Juste pour lancer un peu la conversation, c'est un film que nous avons tourné entre Moscou, Aix-en-Provence, au pavillon noir, le lieu où Angelin travaille et que Juliette a investi merveilleusement, et ensuite à Anvers. Et donc c'était le pari, c'était de faire un parcours à travers la danse, mais qui soit aussi un parcours géographique de la danse, avec la Russie, qui est quand même encore un garant de la danse classique, avec des institutions comme le Bolshoï et Mariinsky, qui sont très emblématiques. La France, avec le personnage que joue Juliette, Liria Elsage, qui incarne, disons, ce courant de danse contemporaine qui a émergé à la fin des années 80. Et puis la Belgique avec tout le courant entre danse-théâtre des années 90. C'est tiré d'une bande dessinée de Bastien Vivès. Alors en fait, c'est vraiment une fiction à la base. Mais en réalité, les événements qui sont racontés dans le film sont des événements très envisageables. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ça arrive aussi. Je suis pas sûre de comprendre très bien la question, mais... En tout cas, pour essayer de répondre à ce que vous avez dit par rapport au classique qui permettrait d'autres possibilités, oui, mais il faut aussi avoir le courage de quitter quelque chose qu'on connaît, un passé, quelque chose, une sorte de branche sur laquelle on se raccroche, et d'aller vers le nouveau. Parce que c'est tout le thème du film, c'est comment aller vers le nouveau. Et tout artiste, normalement, prend ce risque-là. Et on n'en est pas tous capables, parce que ça fait peur de quitter ce qu'on connaît pour quelque chose de nouveau. Mais c'est ce que nous apprend de toutes les façons la vie, c'est même dans notre histoire personnelle, quitter ce qu'on connaît bien. Oui, on a besoin d'une structure, mais avec cette structure, on a besoin aussi de la casser pour aller vers des nouvelles failles en soi. Et c'est pour ça que le personnage de Paulina, il tombe dans une solitude terrible, dans des portes qui se ferment, dans des séparations difficiles. Mon rôle est quand même très abrupt, et cette difficulté qu'elle rencontre à travers cette je sais pas comment décrire ça, mais
d'abord, elle se fait mal physiquement, et puis c'est un métier d'une telle exigence où elle traverse quand même un espèce de désert intérieur qui va lui permettre de trouver une partie d'elle-même qu'elle n'aurait peut-être pas trouvée si elle n'avait pas rencontré ces difficultés-là. On peut penser au chorégraphe israélien, dont je ne me souviens plus le nom, qui avait une façon de bouger vraiment à lui, qu'il avait appris dans un kibbutz, et, parce qu'il était tellement libre de son corps, et puis il est allé, il a travaillé avec différents chorégraphes, et qui voulaient toujours l'engager, et au bout de 5 mois, il n'en pouvait plus, il disait non, je pars une autre fois à nouveau, tu vois qui c'est Voilà, ça doit être ça. Et en fait, une porte fermée, un refus, ça peut être parfois une énorme porte pour nous-mêmes. Ça, c'est cette espèce de contradiction quand on est dans des situations de vie où tout semble impossible et finalement, c'est parce que c'est impossible qu'il y a un autre possible qui s'ouvre. Alors en fait, on pourrait penser qu'il y a une opposition entre la danse classique dans son parcours, puis la danse contemporaine. Et puis après, il y a le stade où elle fait sa propre création. Mais en réalité, c'est un film sur quelqu'un qui cherche sa voix. Et c'est pas qu'il est contre la danse classique ou contre la danse contemporaine. D'ailleurs, en fait, quand elle s'en va de la danse classique, croyant trouver sa voix dans la danse contemporaine, mais en fait, ça marche pas non plus. C'est-à-dire, il y a encore quelque chose qui est irrésolu, en fait. Et la résolution, elle se fait réellement quand elle assume sa propre créativité et qu'elle commence effectivement, comme Juliette dans le film lui dit, il faut regarder le monde. Et parce que je crois qu'aujourd'hui, la danse ne peut pas être juste jolie, quelque chose qu'on a toujours pensé que ça doit rester quelque chose de léger, de gracieux, etc. Parce que le monde n'est pas que joli et gracieux. Le monde est violent, le monde est dur. Et tant que la danse n'intègre pas la violence du monde, je crois qu'elle est incomplète. Et je crois que peut-être que c'est ça qu'elle cherche. Elle cherche à être une sorte de capteur des énergies du monde qui l'entoure. Et donc elle est prête aussi à être laide, s'il le faut, pour être plus juste dans sa créativité. Et c'est pourquoi elle, à chaque fois, en fait, elle ne trouve pas sa réponse, en fait. Et c'est seulement Lyria, le personnage que joue Juliette, qui lui donne les éléments de réflexion qui vont la mettre en marche vers son destin, en fait. Il faut que tu arrêtes d'être obsédé par ton travail. Un artiste, c'est quelqu'un qui voit aussi le monde autour de lui, observe. Je vais être obligée de demander à Sonia de te remplacer. Mais il n'y a pas le compte. Je vais payer le suite très vite. Je cherche du travail. Сказать, что бросил большой театр, чтобы заниматься здесь лакейством. Oui, effectivement, c'était en fait la petite Paulina a quelque chose de très instinctif, une poésie à elle, une poésie d'artiste sans doute. Et c'est vrai qu'en apprenant la danse classique, bien sûr, elle apprend une rigueur, une discipline qui l'aide à progresser avec son corps. Mais en fait, c'est tout on pourrait dire, un parcours de construction-déconstruction pour retrouver cette liberté de l'enfance, cette créativité de l'enfance. Effectivement, il y a ça. C'est peut-être aussi l'image de la forêt qu'on retrouve à la fin. Le père est très important, il a un désir très très fort. En même temps, il a quelque chose de... Il aime l'argent facile. Donc, il y a deux figures paternelles. Il y a la figure aussi du maître, qui lui est très structurant, qui est un peu un autre père, un peu à l'opposé. Je pense que, en fait, c'était aussi d'évoquer à travers le personnage de Paulina, qui vient d'un milieu modeste, comment souvent dans les parcours artistiques sont faits de rencontres et on se construit, on se nourrit de ces rencontres. Et je pense, euh,
je pense que c'est ça, en fait, tous ces personnages qu'elle croise tout au cours de, au long de sa, son, de sa vie, la forge, bien sûr, et font ce qu'elle devient, et son, sa, sa capacité à créer aussi. Je vais essayer. Waouh, pas mal de français. Так когда ты начнешь работать в большом? Вначале надо пройти просмотр. Что вы здесь делаете? Уже поздно. Я хотела понять, почему мне ничего не получается. C'est vrai que on s'est croisés dans le passé avec Angelin, et quand j'ai lu le scénario, je trouvais qu'il y avait une voilà ce parcours d'artiste qui est en recherche de quelque chose mais qui ne sait pas encore quoi. J'ai trouvé que c'était symboliquement important de le signifier, de le représenter dans un film, parce que c'est parler de l'intouchable presque, parler de cet endroit en nous qui est si mystérieux, on a du mal à le vivre, ça fait prendre des risques, ça fait aller dans, parfois dans des impasses, on a l'impression que ça c'est des impasses. Et en fait, c'est en continuant, en y croyant, en croyant à sa propre, à son propre destin peut-être, à son propre chemin, que finalement les choses finissent par arriver. Et je trouvais que de parler de ce sujet-là, c'est important, surtout aujourd'hui où il y a beaucoup de jeunes qui sont... Bon, apparemment, c'est ce qu'on dit, mais moi j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, j'avais la même chose. D'être perdu, de ne pas savoir vraiment comment évoluer, où aller, que faire. Et je crois que c'est bon, c'est le chemin de chaque être humain, quelque part, mais aussi qui est encore peut-être plus fortement symbolisé par l'artiste. Et pendant le tournage, je me souviens que j'observais beaucoup Angelin, la façon dont il travaillait avec ses danseurs, donc de piquer des façons d'être, des expressions, pour être au plus proche possible de ce personnage qu'il fallait créer quand même. Et je me souviens que je lui disais, je deviens de plus en plus Angelin, il me dit non, mais en fait le personnage c'est toi, il me dit. C'est qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est mélangé, et qu'on ne sait plus qui est qui, et je trouve qu'entre les arts c'est un peu aussi ce qui se passe. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent à danser, ou même à peindre, ou des danseurs qui se mettent à jouer. Et qu'entre les arts, il y a moins de frontières, comme il y avait peut-être encore plus avant. Même si je suis persuadée qu'il faut vraiment une base solide à l'intérieur de chaque art, parce qu'elle est nécessaire pour avoir une connaissance de soi et de donner le meilleur de soi. Mais il y a un moment donné, on est emmené vers l'enthousiasme de finalement d'être un. Et être un, pour moi, ça veut dire aussi bien peindre un jour que de danser un autre, que de chanter un autre, que de jouer. Donc il y a un moment donné où il s'agit d'exprimer quelque chose en soi qu'on ne sait pas vraiment, mais qui, grâce à une forme artistique, va se révéler. Et à la rencontre d'autres personnes, évidemment. Et à un moment donné du tournage, j'avais une petite oreillette et j'entendais, parce que Angelin devient, pendant les chorégraphies, j'avais demandé de chorégraphier au moment où ça se passait pour que je puisse avoir le vocabulaire vraiment du spécialiste qui sait regarder le mouvement et qui peut corriger tout de suite. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble, un peu en improvisant. Et il y a un moment donné où l'oreillette était ouverte et donc j'ai entendu les conversations de ces deux-là qui mettaient en scène le film, et je peux vous dire vraiment qu'ils travaillaient ensemble. Pour moi, il y avait vraiment une belle complicité entre eux. Il y avait des questions qu'on peut avoir avec des angoisses qu'on traverse, des vraies questions de cinéma. Et j'ai pu écouter ce que je n'aurais pas dû écouter. À un moment donné, Angelin a compris que je pouvais entendre. Il a tout de suite enlevé le micro parce que ça l'énervait. Quelqu'un s'immisce dans l'intimité de leur conversation. Mais en tout cas, j'ai témoigné de ce partage que vous avez fait magnifique. Никогда не думала, что
можно столько всего изобразить собственным телом. C'est un rêve de danseur. Il réorganise une audition, là, on cherche des danseurs. Ah bon? Ouais, mais c'est en juin, Aix. En fait, Polina vient d'être engagée au Bolshoï, là, mais... А как же большой? Же даешь себе отчет в том, что ты делаешь? Ты должна мне доверять. C'est trop joli, c'est trop mignon. Je veux sentir quelque chose de vrai. Mais c'est une duo d'amour. Oui, c'est un duo de passion, de désir. Oui, effectivement, on y a pensé. Non, ce que je voulais dire par rapport à ce projet, c'est que ça n'a pas toujours été facile de défendre l'idée de faire un film de fiction à travers le monde de professionnels de la danse. D'autant qu'avec Angelin, dès le départ, ce qu'on désirait, c'est de ne pas faire appel à des doublures, que les corps qu'on voit à l'image soient les corps des danseurs et des acteurs. Et très vite, on s'est dit, ça serait bien d'arriver à ce que les danseurs, puisque sans doute Polina va être une danseuse, ça serait bien qu'elle soit imprégnée travail des acteurs, et c'est vrai que c'était vraiment une chance que Juliette accepte ce pari, avec tout le travail qu'elle a fait aussi physiquement avant, en amont du tournage, parce que ça a apporté, je pense, voilà, c'est-à-dire que tout le travail physique de tous les acteurs et les danseurs est réel, il n'y a pas de doublure, c'est vraiment, on voulait vraiment... Que les corps soient impliqués physiquement à l'image. Pour étayer ce que vient de dire Valérie, en fait, vous savez que maintenant, en post-production, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut mettre une tête sur un corps, etc. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Pour une raison qui est vraiment... qui nous a paru claire avec Valérie, c'est cette idée que, vous savez, dans l'obscurité, quand on voit arriver quelqu'un et qu'on ne voit pas son visage, on peut reconnaître quelqu'un. On dit « Ah tiens, c'est Jean-Pierre ». Et en fait, parce qu'on le reconnaît à sa démarche. C'est son corps qui porte son identité à ce moment-là. C'est plus le visage. Donc ça veut dire que le corps délivre quelque chose de la substance de l'être d'une façon incroyable et qui ne triche pas. Donc de cette même manière-là, on ne pouvait pas imaginer dans le film qu'on voulait faire qu'à un moment, par exemple, Juliette parle comme ça, assise, et tout à coup, elle se lève, et qu'on coupe, et qu'on mette une danseuse habillée comme Juliette qui danse, parce qu'on aurait perdu la substance de Juliette pendant la danse. Donc, Juliette, vraiment, danse. Et c'est la même chose pour les danseurs. Et on ne pouvait pas imaginer que ce serait des danseurs qui font ça, et puis une actrice qui va jouer le rôle... parler, parce qu'on voulait une continuité substantielle des êtres dans le film, dans tous les plans. Pour la colocation, tu acceptes les filles? Oui, bien sûr. J'anime des ateliers de réinsertion pour les jeunes en difficulté. Je n'avais jamais vu faire ça. T'es complètement largué. Tu fais n'importe quoi. Je peux plus te voir comme ça. Ça fait une semaine que ça dure. J'en ai ras-le-bol. Tomber, je me souviens pas de tomber spécialement, mais en tout cas, Angela était très patient avec moi, a répété 150 000 fois le même mouvement. Et puis, non, je me souviens d'une fois où le professeur, enfin, c'est le chorégraphe que je joue, doit faire une sélection des danseurs. Et on avait répété ensemble, et Angela m'a dit « Ce serait bien que tu improvises un peu voilà ce qu'on a travaillé ensemble et que tu le fasses devant les danseurs. » Et là, on n'avait pas préparé la scène, donc je me suis jetée dedans. C'était un peu... ça m'a fichu la trouille, mais à la fois, je me suis dit « C'est ce qu'un chorégraphe fait, donc voilà, il faut se jeter dedans. C'est le plus simple. » Il y a dans ce personnage une certaine dureté, une certaine exigence, parce que c'est vrai que la danse, la chorégraphie, c'est tellement difficile d'être danseur, ça demande tellement faire soi, et oui, il y a une sorte quand même de sacrifice, si je puis dire, et ce qui m'a surpris en fait le plus pour travailler ce personnage-là, c'est le
c'est une certaine dureté que j'ai pu recroiser et voir chez certains chorégraphes que j'ai pu voir travailler. Même si au fond du fond, il y a une humanité évidemment, mais je pense que c'est un métier qui demande une certaine exigence, donc dureté aussi. Je dirais que instinctivement, l'être humain cherche toujours un peu une zone de confort, en fait, et même les danseurs, les musiciens, tout le monde, même les acteurs peut-être. Mais en fait, ce qu'on demande, les chorégraphes, ils doivent, je pense, moi c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de sortir les danseurs de la zone de confort, c'est de leur demander à chaque fois d'aller dehors, en dehors de leur zone de confort, pour trouver la limite de leur capacité pour progresser. Et en fait, au début, ça peut être un peu laborieux, ça peut être difficile, on peut avoir une sensation que c'est dur, mais en réalité, les danseurs sont toujours très reconnaissants après, quand vous l'avez fait bouger de sa zone de confort. Et c'est peut-être ça que Juliette évoquait, c'est cette espèce d'exigence. Vous savez, c'est Rostropovitch qui disait « Si j'arrête de m'entraîner un jour, moi je m'en rends compte. Si j'arrête de m'entraîner deux jours, mes camarades de l'orchestre s'en rendent compte. Mais si j'arrête de m'entraîner trois jours, c'est le public qui va l'entendre. » Voilà. Et je crois que c'est cette exigence-là qui est nécessaire. Un chanteur, il chante parce qu'il ne peut pas faire autrement que de chanter, parce que les mots ne suffisent plus. Donc il y a quelque chose qui sort de lui qui s'appelle le chant. Un danseur, je pense que c'est la même chose. Il y a quelque chose qui ne peut pas s'exprimer avec les mots et qui est tellement fort en lui, il a besoin de l'exprimer autrement. C'est cette espèce d'endroit ineffable, intouchable, mystérieux. On ne sait pas comment l'exprimer. Et il y a, heureusement qu'on a la danse ou le chant, où on peut exprimer cette chose, cette partie cachée en nous. Donc moi j'ai été poussée par ça, je peux dire, mais je n'ai pas de base de danseuse comme de chanteuse, j'ai pas ces bases-là. Mais mon désir est tellement fort que j'y puise une certaine énergie pour le faire. Et c'est ce que j'ai pu voir avec mon expérience avec Akram Khan, avec qui j'ai fait un spectacle, qui était dur parce qu'on a tourné pendant un an et demi. Et les tournées sont vraiment une expérience difficile. Voilà. Mais disons que je me suis rendu compte que je n'avais pas la structure, je n'avais pas les muscles, je n'avais pas cette mémoire qui s'entraîne, la mémoire du corps. Mais j'ai découvert mon énergie. Et c'est seulement en allant dans cet endroit-là, qui n'est pas, comme tu disais, « comfort zone », comme on dit en anglais, une zone confortable, c'est en sortant de mon confort, finalement, que j'ai pu me rendre compte déjà de la difficulté de ce que c'est d'être un danseur, et ensuite d'être avec une autre partie de moi-même, qui est celui de l'énergie. Et j'ai découvert, par exemple, le Qigong, que je n'aurais pas découvert si je n'avais pas été dans cette zone-là. Mais c'est vrai que de risquer autre chose, ça nous fait découvrir d'autres parties de nous-mêmes, et on a tous cette possibilité-là. Il faut juste avoir un petit peu de courage et puis cette soif qui ne s'explique pas, mais qui est là en chacun de nous, qui veille, qui est endormi, qui se réveille, qui peut évoluer. On a d'ailleurs, à un moment donné, pour le film Paulina, on a travaillé sur une chanson de Barbara, avec Angelin, une des chorégraphies. Et ça fait penser à la fin de Perlin Papin, quand Barbara dit « Et vivre, vivre passionnément, et ne combattre seulement qu'avec les feux de la tendresse, et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. » Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages et faire jouer la transparence au fond d'une cour, au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance.
Et je trouve que pour l'artiste, c'est quand même... C'est pas grave. C'est pas grave. Mais... Non, mais en tout cas, c'est pour faire résonner bon, ce désir de cette transparence au fond de nous, finalement. Mais on est obligé de passer par toutes les émotions, on est obligé de passer par la passion, par tous les mouvements possibles et imaginables pour faire jouer cette transparence, la laisser transparaître et pour se finalement communiquer les uns avec les autres et pas rester au fond de son trou tout seul. Я хочу научиться видеть мир. Во Франции? Видишь? А как же большой? La Pauline du большой n'existe plus. Faut que tu sois vigilante. Faut que tu changes ton approche technique. C'est beaucoup plus terrien que le classique. Fais-moi vivre. Un univers personnel qui passe tout de suite. Et gamin m'en parle encore. Regarde autour de toi. Un artiste, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui regarde le monde autour de lui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que Alexandre Daro est venu avec son producteur me voir parce qu'il cherchait une actrice pour lire les textes de Barbara. Et donc, moi, je n'étais pas contre. Et on s'est dit, bon, ben, lisons. Et puis, on va faire une sélection, puis on va voir. Et au fur et à mesure des lectures, moi, je me suis dit, mais c'est, je ne peux pas faire juste une lecture. Quoi. Il faut intégrer ces mots-là. C'est des mots à vivre, ce n'est pas des mots à lire. Et donc, on a commencé à partager ça avec Alexandre et souvent à aimer les mêmes chansons. On en a quand même sélectionné une quarantaine, parce qu'on ne peut pas faire un spectacle de 6 heures, c'est pas possible. Et donc, il a fallu faire une sélection et qu'on a faite. Et puis, les choses se sont construites ensemble. Et puis après, on a fait intervenir deux personnes qui nous ont aidées à faire les liens entre certaines scènes et les mots que Barbara a créés, parce qu'elle est un vrai poète. Même si elle disait qu'elle n'était pas poète, c'était vraiment un poète. Et on a essayé, sans faire une chronologie biographique, parce que ça, c'est rien de plus ennuyeux, mais du thème fondamental, je dirais, de son désir d'amour, parce qu'elle a cherché cet amour inouï après avoir vécu quand même un inceste avec son père. Et puis finalement, elle a trouvé l'amour, mais elle l'a trouvé surtout à travers l'art. Mais elle l'a cherché à travers tous les hommes qu'elle a rencontrés. En tout cas, il y avait ce feu intérieur qui ne l'a jamais quitté, mais qu'elle a su transformer à travers l'art. Et pour moi, parce que j'étais un tout petit peu plus jeune qu'elle, à peine, et pour moi, elle a été une figure importante parce qu'elle m'a inspirée. J'ai été fan de deux personnes, d'un acteur qui était très beau et qui me soulevait l'amour, et Nadia Comaneci. Donc j'ai pu limiter des centaines de fois la piscine, parce qu'avec l'eau, tout est possible. j'ai même appelé l'ambassade de Roumanie en France. Ma mère m'a dit, bah, appelle, je ne sais pas, parce que je voulais chercher son adresse. Et elle m'a dit, mais on m'a dit là-bas qu'elle habitait dans les Carpates. Donc j'ai toujours envie d'aller dans les Carpates. Paulina, alors tu nous fais une proposition? Désolée, je sais pas faire ça. Écoute, je connais un programmateur qui cherche des jeunes chorégraphes pour le festival de Montpellier. Je pense que tu devrais lui proposer quelque chose. T'as une grande qualité d'improvisation, t'as un univers hyper personnel qui passe tout de suite. Je vais pas voir une jolie danseuse, je vais voir Paulina danser. Montre-moi que t'as faim de danser.